Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous voilà aujourd'hui pour du diamond painting. Alors, je vais vous montrer. J'ai pratiquement fini. Je voulais finir avec vous celui, le petit de ma belle-mère. Voilà. Une petite parenthèse. Alors, toute petite, parce que j'ai entendu beaucoup sur YouTube, beaucoup de copinettes en parler. Donc, j'ai dit aux intéressés, c'est mon mari qui s'amuse avec sa musique. J'ai dit aux intéressés ce que je. Non, merci. Je fais exprès qu'il est. Vous voyez comment il est. Alors, oui, je voulais dire à Sabrina et à Alexandra que je pense très fort à elle. Qu'elle ne t'inquiète pas, malheureusement, je suis passée par là. Les gens qui sont méchants et c'est gratuit, c'est de la méchanceté gratuite, donc bon, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Voilà. Donc je ne dirai pas plus pour vous savez de quoi je parle, donc on arrête là. Voilà. Donc aujourd'hui mon courrier s'en va tout à l'heure, mon fils passe, il vient chercher le courrier pour mettre à la poste. Tous les concours, toutes celles qui ont gagné les concours, ça s'en va aujourd'hui. Voilà. Excusez de ne pas avoir envoyé plus tôt. Hein. Alors entre le confinement et puis après, j'étais pas bien, ni rien. Donc voilà. Natacha. De ses bricoles et ses bidouilles. Voilà. Alors Natacha, j'envoie pour ton concours, je t'envoie la page. En même temps, je crois que là, comme pour le courrier, oui, c'est tout. Oui, tout part aujourd'hui. Voilà, donc nous allons continuer. Je remercie encore Romain 21. Hein, pour son cadeau super. Je le plastifie parce que je vais me le mettre sur ma table. Voilà. Je vais vous faire basculer et puis on va tranquillement finir le diamond painting. Allez, hop, on va basculer doucement. J'essaye de ne pas vous rendre malade. Je vais boire un petit peu de café. Voilà, alors, autre chose, je vous ai pas dit, j'ai cassé, parce que je suis très douée, hein. J'ai cassé ma tablette lumineuse. Alors bon, j'ai dit déjà combien est une, normalement elle devrait arriver la semaine prochaine, mais je me méfie parce que, vous voyez, aujourd'hui je devais avoir ma Big Shot hier, toujours pas. Ils m'ont envoyé un message comme quoi normalement je devrais la recevoir aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, on verra bien, mais bon, j'ai des doutes. Et puis demain, si je la reçois pas, je demanderai un remboursement. Et puis voilà, hein, parce que oui, d'habitude j'ai jamais de problème. Et puis là, voilà. Ah, c'est la poste parce que c'est bloqué à. C'est bloqué à la poste. Bon. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et puis il y a du courrier, c'est pareil. On devait recevoir du courrier, on ne l'a pas reçu. Alors je sais pas pour vous, mais c'est une galère. C'est infernal. Hein. C'est. Non. Et puis c'est des courriers importants, quoi. C'est pas des petits courriers. D'amis ou quoi que ce soit, non, moi c'est des courriers pour ma pension d'invalidité, quoi, c'est pas n'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez. Alors, je risque d'avoir ma pension d'invalidité qui va être sucrée, pourquoi? Parce que j'ai pas rempli un papier, mais évidemment je risque pas puisque je l'ai pas reçu, voilà. Alors du coup, je sais pas, voilà. Bon, là, j'ai reçu deux trucs d'Amazon, hein. Mais bon, je vais pas vous faire un bon unboxing pour de conneries, puis je sais pas comment on dit ça, hein. Je dis ça unboxing, je sais pas.
Bon, en attendant la réception de deux trucs, je voudrais attendre de recevoir plusieurs choses avant de vous faire un petit truc, une petite vidéo, parce que là, la vidéo, elle durerait quoi, même pas 5 minutes, c'est pas la peine. Voilà. Bon, à part ça, ben, j'espère que chez vous tout va bien, hein, surtout, prenez soin de vous, surtout, et de vos familles. Qu'est-ce que je voulais vous dire, je sais plus, je perds la boussole. Je vous ai montré, hein, il n'y a plus que ça. Je sais pas, moi même pas. Hein. Ah si, je vous ai pas montré déjà, le petit nouveau. Vous voyez, c'est simple, ce que j'expliquais, que c'était très simple à faire. Il suffit d'acheter de la mousse, vous allez à l'Action, vous achetez ça pour 1 €, des trucs de mousse, des feuilles de mousse. Ensuite, ben, vous trouvez votre petite décoration, vous la mettez dessus. La mousse, vous la mettez autour, hein, comme je vous ai expliqué la dernière fois, puis en avant, ça vous fait un petit stylet. Moi, j'aime bien. Mais pour le prochain concours, je ne sais pas si j'en fabriquerai pas un spécial pour en même temps qu'un DP, vous faire gagner un stylet à ma façon. Je ne sais pas. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Oh, j'ai des cheveux dessus, moi. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Ah, vous avez vu ma couleur de cheveux? Ben, c'est ma fille qui m'a fait la teinture parce que là, j'avais beaucoup trop de cheveux blancs. Donc, j'ai demandé à ma fille de me couper les cheveux. Parce que là, pour l'instant, ben, je ne bouge pas la maison encore. Pas encore en pleine forme. Donc je préfère rester chez moi. Hein. Oui, hein. De toute façon, moi je suis très casanière. Hein. Là, j'en parlais tout à l'heure avec mon autre fille, ma grande. Hein. Il y a 5 enfants et on parlait toutes les deux et justement on disait qu'on était pareil. On était pareil là-dessus, on est très très casanière, hein. ça change pas mon confinement ou quoi. Alors nous c'est soit la maison, soit moi c'est la maison ou le camping-car. Bon, je trouve que c'est encore mieux le camping-car parce que c'est plus mon style de vie, mais bon. Si je suis à la maison, c'est dans ma salle à manger et puis voilà. Hein. Et autrement, ben, c'est le camping-car. Hein. C'est pareil, je suis dans un camping et puis voilà. C'est je ne fais pas davantage quoi. C'est pas. Je suis pas le genre à sortir et tout ça. Moi, c'est pas tellement. Pas tellement mon truc. Voilà. Ah, je voulais vous dire, allez sur la chaîne de mon mari. Il a fait une superbe vidéo là qui est sortie hier. Pascal Voyage Aventure, c'est génial. Allez voir. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous parce que j'avoue qu'il fait des jolis trucs, je le dis. Mais il y a certains d'entre vous qui passent, mais qui oublient de s'abonner. Mais abonnez-vous, vous allez voir. Hein. Et bon, il en fait pas beaucoup, mais quand il en fait, c'est parce que c'est très long, hein, c'est très long à faire. Donc il en fait pas énormément, mais quand il les fait, c'est super, je ne dis pas. Hein. Voilà.
Bon, mais j'ai encore une petite lettre là. Ben, j'ai ma fille qui fait le zouave juste en face de moi. Voilà. Voilà, voilà. Alors, du Z là, Z là. Voilà. Bon, ben après, on va... Je vais passer... En fait, je sais pas. Peut-être qu'on va le faire ensemble. Hein. Je vais mettre du vernis. On va mettre le vernis colle ensemble. Voilà. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Alors, avec la loupe, c'est mieux parce que moi, je vois rien. Donc, et je préfère pas. Voilà. Non, j'en ai pas oublié. Voilà, c'est fait. Alors, vous voyez, ça fait ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pour ma belle-maman. Voilà. Donc, mais là, je vais aller préparer. Alors, ce que je fais, je vais préparer le vernis colle et je reviens. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, donc, revoilà. Voilà. Alors, j'ai pris... Je vais faire un essai avec la colle de Cléoplâtre, là. Comme il y en a qui font, je sais pas. Je fais un essai, hein. En espérant que ça fonctionne correctement, on va bien voir. Il y a ma fille qui fait le singe devant. Si vous voyez ce singe, Dieu, qu'elle ressemble à son père. Na, vous voyez? Alors, je vais essayer, hein. Je vais bien voir ce que ça fait. Voilà. C'est rien, ça, c'est ma fille qui monte les escaliers. Alors, j'ai une maison à étage et ma fille, chaque fois qu'elle monte les escaliers, je vous dis pas. Voilà. Donc, bon, maintenant, on va bien voir, hein, ce que ça fait, hein. On va bien voir. Je vais laisser sécher. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? Allez. Donc, hop, on va ranger. Allez, je vais ranger tout ce qui reste là. Alors, c'est pas. Ah zut, ouais, je vais ranger après. C'est pas des DMC, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petites poches. Alors vous voyez, quand c'est pas la DMC, je prends mon petit casier gris. Alors, le petit casier gris, normalement, il est fait pour la couture. Normalement, on met les rouleaux de fil. Hein. Mais moi, je l'ai transformé pour ça, parce que pour mes rouleaux de fil, j'en ai plein ailleurs. Donc ça, c'est du gris, du jaune, ça sert en vert, marron, ça aussi, marron, gris foncé, orange, jaune, très clair, rouge, mauve. Donc ici, c'est du bleu foncé, j'en ai pas. Alors, bleu, on va y arriver. Là, je sais pas. C'est du blanc. Ah, voilà, là j'ai du jaune. Là j'ai du rose, mais j'ai pas de rouge là avec. Normalement j'ai du rouge avec, oui, mais c'est pas le bon. Mais je vais regarder celui-ci. Voilà, donc celui-ci, voilà. Donc ça, le rose, on n'en a pas besoin. Ici, alors, ça c'est en vert. Alors, les verts, je crois que je vais pouvoir les caser ici. Voilà. Voilà, alors là c'est vide, tout ça c'est vide. Parce que j'ai fait mes pots, vous savez, comme je fais d'habitude, là, je fais des pots... Ah, où je fais des mélanges, ça c'est du marron. Voilà.
voilà l'orange. Ah, du mauve. J'ai du mauve, mais j'en ai là, oui. Là. Oui, je fais mes petits pots mélanges, là, vous savez. Donc, bon. Là. Donc, ça, on va le mettre là. De toute façon, je crois que... si il me reste des DMC... des DP en DMC, avec des DMC... avec des diamants DMC, il m'en reste. Donc, je pourrais... faire. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Voilà, moi je range assez vite comme ça, hein. De toute façon, comment dire, je fais des mélanges, hein, pour cela. Après, si j'ai vraiment besoin d'une couleur, et puis je prends un des mélanges comme ça, je mets tout par, je mets tout dans une coupelle et puis je fais des trios. Bon, mais bon, j'en ai jamais eu besoin, donc voilà, ça c'est fait. Alors en marron, j'ai du marron foncé qui va aller là dedans. Bon, ben oui, j'espère que tout le monde va bien chez vous. On se porte bien. Chez moi, ça va, la famille, ça va. Principal. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ma grande qui reste confinée parce que c'est vrai qu'avec des enfants en bas âge, elle n'est pas tranquille, quoi. Donc reste à la maison. Elle a décidé de rester confinée jusqu'à, je sais plus, elle me l'a dit, je sais plus, mais bon, elle reste confinée. Puis elle a bien raison, parce que on sait jamais. Ça, de toute façon, c'est des choix, hein, que chacun fait. Hop, voilà. Alors, voilà. Donc, et bien après, je sais pas, je pense que je vais faire ma petite japonaise, une des japonaises que j'avais, vous savez. Là, je sais pas trop. Hey. On va en prendre un comme ça. Parce que là, je n'ai pas d'autres petits. Là. Je voulais faire le petit panda, mais je sais pas. Sincèrement, je pense que je vais plutôt faire la petite japonaise. Parce que j'aime bien. Ça fait un petit moment que j'ai dit qu'il fallait que je la fasse et puis voilà. Ah. Voilà. Et voilà. Je crois que c'est une des premières fois que je vous fais participer au rangement des petits diamants, parce que c'est vrai que d'habitude je le fais à part, quoi, hein, parce que j'aime pas vous embêter avec ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit oui, tu fais comment, tu, ben c'est simple, hein, y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je faisais, donc ben je, voilà, je vous montre, hein. Quand c'est les DMC, eh ben, je mets dans ma petite boîte rouge. Vous vous rappelez, je vous l'ai montré dans une des vidéos. Donc voilà. Et autrement, eh ben, je mets dans celle-là, quoi. Alors, ça, c'est un mélange. C'est ça. Là. Voilà.
là. Après, c'est du gris. Alors, le gris, j'en avais, mais je crois que j'ai tout utilisé. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai tout utilisé en gris. Donc, je vais faire comme ça. J'avais mis tout le gris dans le dernier pot que j'ai fait. Voilà, donc on va faire comme ça. Ça c'est pour vider mon petit pot. Hein. Vous savez, là, hop, un petit pot comme ça, là où je mets tout ce que je trouve. Parce que là, on en trouve des fois, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive très souvent d'en trouver. Sur la table, une fois que j'ai tout rangé, je dis tiens, il me restait, j'ai des petits diamants qui me restent comme ça. Alors du coup, j'aime pas jeter. Alors du coup, j'ai trouvé l'idée de le mettre là-dedans. Et puis à la fin, vous voyez, je fais ça. Voilà. Et là, on va mettre les gris. Donc voilà. Cela, on va les mettre ensemble. On va mettre les deux ensemble là, parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. C'est pas la peine de. Voilà. Voilà. Hein. Voilà l'autre. Oh, c'est pas exactement pareil, mais ça se ressemble quand même pas mal. Donc, voyez, on voit pas la différence. Hein. Donc, bon. Ça, c'est bon. Après, allez, hop, je vais mettre un comme ça. Ça, c'est plus foncé par contre, c'est un gris beaucoup plus foncé. Voilà, et ah, c'est plutôt du bleu. Je sais pas, on dirait du bleu gris, du, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, bah ben voilà, vous voyez comment je range, mais ça y est, c'est fait. Donc, maintenant que ça c'est rangé, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord remettre ça en place. Alors, on va le pousser, je mettrai en place après parce qu'il faut que je mette dans l'autre pièce. Donc, on va pousser. Voilà. La colle, ben, on va la mettre là. On va pousser tous les trucs comme ça parce que je vais vous expliquer. Bon, on va couper en deux cette vidéo parce qu'elle va être trop longue, donc je préfère la mettre en deux fois. Alors je vais vous dire au revoir pour maintenant et puis à tout de suite pour la deuxième partie. Allez, gros bisous, je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, hein, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et ça remonte le moral. Bisous !